Chers internautes, bonjour. Nous sommes ici à Elite Fitness Québec pour vous présenter une discipline peu connue du public mais qui commence à avoir de l'ampleur au Sénégal, le powerlifting. Le powerlifting est une discipline qui se distingue un peu du crossfit, de la musculation ou du bodybuilding. Les participants sont appelés à faire trois grands travaux, à savoir le squat, le développé couché et l'arraché de terre. Il y a un concours qui se prépare à l'intérieur. Allons voir les champions. Nous avons aujourd'hui l'occasion de vous présenter donc le powerlifting. C'est un sport nouvellement donc connu au Sénégal, qui signifie donc force athlétique. Donc c'est un sport qui se déroule autour de trois mouvements. D'abord il y a un squat, donc flexion de jambes. Secondo, il y a le bench qui signifie le développé couché. Et une troisième épreuve, donc le deadlift, c'est-à-dire le soulevé de terre. Je pense que mes amis athlétiques, bien mes amis haltérophiles, donc le savent mieux que moi. Donc le but de cette organisation, pour l'instant, nous sommes régis en association. Donc nous ne sommes pas encore une fédération. Le but, donc, on a vu qu'actuellement une urge, un pays comme le Sénégal, d'avoir sa propre fédération de sport de powerlifting, étant donné que c'est un sport qui est répandu partout. D'ailleurs, la preuve, il y a la Coupe du Monde, les pays comme la Gambie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tous ils sont représentés, sauf le Sénégal. Donc, c'est pour nous l'occasion de saisir les autorités, étant donné que c'est un sport très prometteur et nous comptons vraiment aller loin avec le Sénégal, avec vu le potentiel d'athlètes qui existe au Sénégal et tout. À la sortie de cette compétition d'aujourd'hui, on va essayer de prendre les méritants, les meilleurs, de les préparer au stade Léopold Senghor. On a trois jours d'entraînement là-bas, les lundis, mercredis et vendredis, sous l'égide de coach Wuri, qui est entraîneur national, et sous l'égide du CNPPH et tous les membres. Les voliers sauront le poids qu'ils ont fait. Celui qui fait le maximum, c'est par discipline. On a fait squat avec la barre, on a fait développé couché, en même temps on a fait du deadlifting ou soulevé de terre. Donc ces trois éléments-là, ce sont les facteurs. Donc ces trois éléments nous permettent de calculer chacun ce qu'il a fait. Et le meilleur parmi ces trucs et par catégorie sera premier de chaque catégorie et chaque discipline. Et le budget va sortir, Inch'Allah, on va prendre les athlètes et les équipes pour les mettre dans de bonnes conditions pour préparer les prochaines compétitions.